Bien, bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de SimCity, le second de cette saison 3. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour continuer la ville que nous avions commencé la dernière fois. J'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, merci de d'avoir accueilli cette vidéo comme ça, cette saison comme ça. C'est juste génial. Pour tout vous dire, en 2 jours, on a atteint les 400 vues avec 60 gemmes. Ça m'est jamais arrivé, je crois. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que vous accueillez cette série comme ça aussi chaleureusement. Continuez, ça fait super plaisir. Vraiment, merci. J'ai eu énormément de commentaires, vous avez été plus d'une trentaine à en poster. C'est génial. Franchement, continuer comme ça me fait tellement plaisir. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me donne envie de continuer SimCity. En attendant, allez, on attaque parce que sinon, on va rien faire de l'épisode. Je vais continuer à vous remercier sans arrêt. Déjà, je vais renommer la ville. Un nom que quelqu'un m'a proposé, c'est Baskerville et j'aime bien. Donc, on va l'appeler Baskerville. Parfait. Et voilà. Alors, attendez, qu'est-ce qui nous manquait? Faudrait que je fasse des bus, je crois qu'on me l'a dit dans les commentaires aussi. Faudrait que je fasse des bus, effectivement, mais pour le moment c'est pas très encombré, donc on va encore attendre un petit peu, histoire de pouvoir gagner pas mal de sous avant de faire ce genre de choses. Faudra qu'on mette une école, ça c'est beaucoup plus urgent. Une école que l'on va mettre... ici. Très bien. En plus, on a les sous pour augmenter les classes et rajouter des bus directs dès le début. Ça, c'est bien. C'est un très très bon point. On va mettre tous les bus possibles. Voilà. Parfait. Maintenant, placer les arrêts. Hop. Ici. Parfait. Voilà, là on est bon. On est bon. C'est plein ça, je suppose. Ouais. On va rajouter une petite salle. Ah merde, on a plus de sous. Ouh là là là. Bon, je crois qu'il c'est 12 000 ça, donc ça devrait aller très vite. Allez, on veut la thune. Envoie tout. Hop, voilà, normalement c'est bon. C'est 12 000, c'est bien ce qui me semblait. Hop, ok, ça marche. Donc il y a quelqu'un qui m'a parlé de la zone industrielle là, comme quoi il fallait que je mette un aéroport, enfin de la gare et tout. Mais bien sûr, c'est ce que j'avais dit, ne vous inquiétez pas, faut pas vous inquiéter. Je vais vraiment. Je fais le développement dans le bon ordre. Hein. Je commence par le commencement, faut pas trop qu'on se précipite. Les gens qui se précipitent trop sur ce jeu. En général, leur ville coule au bout d'une heure de jeu, donc voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, et je pense que j'ai la bonne technique, donc vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas surtout. Ok, donc là, il va falloir qu'on pense aussi à mettre un incinérateur. Bon, là, en attendant, faut qu'on ait un peu plus de sous. Ça se passe. Ça a l'air d'aller, les pompiers aussi. Pas de bâtiment incendié, on a un mort par jour. On n'a pas de poste de police, mais écoutez, pour le moment, ça urge pas. J'ai juste rajouté des classes. On va améliorer l'école au maximum. Parce que là, je crois qu'on a... Attendez. On a 700 élèves non inscrits. Ouais, j'ai 950. Voilà, bah, c'est parfait. On va arrêter de l'améliorer. Il faudra qu'on l'améliore très vite. Enfin, normal, quoi. Il évolue et ça va plutôt. Ça va s'accélérer, ça va s'accélérer très très vite. Alors en attendant, je suis en train de réfléchir à peut-être un nouveau quartier. Faut pas qu'on oublie qu'ici on a du minerai. Alors je me pose la question. On va plutôt faire ça. Je sais pas si c'est une très bonne chose ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pu utiliser un petit tunnel ici. Pour éviter de trop boucher. Bon écoutez, pour le moment ça va, donc on va laisser ça comme ça. Mais hop, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà.
Nickel. Nickel, nickel. Ok, et ici, du coup, est-ce qu'il manquerait pas? On va leur remettre un petit peu de commerce quand même. J'en ai pas mis énormément, mais écoutez, c'est pas trop mal au final. C'est pas trop mal. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse. Ouais, mais non, mais on a dit que les bus c'était trop tôt. On a dit que les bus c'était trop tôt. Désolé, j'ai pas retenu tous vos commentaires. Je peux pas me prendre le temps de tous les noter à côté de moi, etc. Mais vous inquiétez pas. Après cet épisode, tous ceux qui n'auront pas eu de réponse, je répondrai sous la vidéo. Ok. Enfin, je pense à mettre un incinérateur. On va faire ça pour l'incinérateur. Maintenant, là, dès qu'on a les sous, je crois que c'est 24 000. Faut que j'exerce un peu ma mémoire. Attendez, je vais vérifier quand même. Non, c'est 25 000. J'étais pas loin. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Crise du chômage? Je suis trop fort. Ouais, crise du chômage, c'est normal. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être améliorer tout ce coin-là et le mettre en richesse moyenne. Et là, garder richesse faible. Avant, on va mettre l'incinérateur. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on va mettre les parcs. On va mettre un classique dans le coin. Est-ce qu'il y a un endroit bien là? C'est un peu pourri ici. Ok. Parfait. Et ouais, on va peut-être faire aussi. Si, on va faire des riches. On va faire des riches dans l'audio. Quelques riches ici, mais c'est bien. Mais du coup, la valeur du terrain, attendez, on aura des moyens. Hein. On a des moyens un peu partout, c'est bien. Là, il faudra juste que je rajoute un petit parc ici. On va mettre quoi? On va mettre quoi? Je vais mettre ça. Voilà, parfait. Puff, hop, je vais faire une petite ellipse, juste 2 minutes. Oui, donc me revoilà, allez, on est reparti. Tac. On était ouf, donc là j'avais placé le parc. Là ça a l'air d'aller niveau richesse. Ouais, c'est bien, regardez, on a des beaux manoirs, mais on a aussi de la richesse moyenne, ça fait plaisir. Je pense que ça s'est bien rééquilibré. Ouais, ça serait équilibre. C'est pas encore ça, mais ça va petit à petit. Ça serait petit à petit. Ok, bah parfait. Je trouve qu'on n'a pas une zone industrielle si grande que ça au final. Je me demande si ça peut peut-être être pas mal de faire une route là. Pour augmenter un petit peu ce complexe. Beaucoup mieux, vous voyez qu'on a plus une demande commerciale, mais les commerces de toute façon ils vont très très vite augmenter de taille, donc j'ai pas envie forcément de privilégier le zonage. Du coup, là on avait dit qu'on essaierait de faire peut-être un truc un peu plus touristique. On dit il va falloir qu'on ajoute un camion de pompiers. J'ai jamais lu la petite description. Si vous avez plus le temps de la lire, je vous invite à faire pause, c'est drôle. Là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prolonger jusque là-bas, la route. Yep. En tout cas, je compte sur vous pour que cette vidéo ait le même accueil que le premier épisode. Hein. Ça me ferait plaisir. Donc n'oubliez pas le like, le commentaire bien sûr. C'est vraiment là-dessus que je compte, quoi. Tout simplement. J'aimerais me poser une question. Là, j'aurais peut-être dû faire une avenue, en fait. Parce que comme ça, ça aurait été dans le prolongement. Oh, c'est pas grave. Par contre, là. Je vais faire un truc un peu comme ça.
Ah, parfait. Ouais, on va faire un truc assez classe là. Enfin, on va essayer. Voilà, parfait. Une sorte de mini Las Vegas. Peut-être qu'on fera, on mettra des casinos et tout ça. Enfin, vraiment un coin touristique, ça peut être pas mal, je pense. Les classes sont pleines. On met le petit dernier niveau là. Est-ce que là du coup j'ai bien. Je crois que j'ai pas mis de. Attendez, attendez, attendez. C'est là. Voilà, faut que je rajoute quand même un arrêt. Normal. Ok, parfait. Je vais juste regarder où est le minerai. Je sais plus exactement où et c'est vrai que. Ouais, il est là. Ok. Très bien. Bon, le charbon, on n'exploitera pas. Hein. Le minerai, je suis même pas sûr. On va voir. Que ce jeu est beau. Je le dirai à chaque fois maintenant, parce que j'ai tellement pas l'habitude de jouer avec des graphismes aussi élevés. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont vraiment. J'ai dû les changer. Non, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. C'est juste pour me la péter, en fait. Ah là là! En même temps, j'ai envie de dire le concept, un des concepts des vidéos YouTube, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas l'ordi qu'il faut de leur procurer une bonne qualité en jeu, même si c'est pas eux qui jouent. Moi, je sais que personnellement, quand je regardais, j'étais toujours été un gros consommateur de vidéos sur YouTube. Là, ce petit bout de route de merde qui sert à rien, on va l'enlever. On va privilégier la construction d'une autre entreprise. On va essayer d'optimiser la place un petit peu quand même. Hein. Le vent a pas tourné, rassurez-moi. Sinon, on est quand même dans la mouise. Non, c'est bon, parfait. Il va là où il faut. Niveau électricité, niveau eau. Ça va. Ça va. On va rajouter une petite éolienne. Je pense que ça peut être bien. Ça on va pas mettre parce que ça nique de la place. Donc on va pas mettre du tout. Ok, du coup on a un excédent, bon excédent, ça va. Pour la taille de la ville de toute façon, regardez, ça consomme que dalle. Donc ça va. Non, faut qu'on en remette une encore. Ah non, non, ça. Bon bah elle était juste pas activée. Bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, bon, écoutez, là ce que l'on va faire. Faire un quartier bien riche. Là, je veux le quartier le plus riche que j'ai jamais fait. Là. On va pas zoner là tout de suite. On va pas zoner tout de suite ici. On va se laisser le temps de faire ça là tranquille. Et on va mettre des petites placettes bien sympathiques. Hop. Parfait. Là, on voit les choses en grand, là. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est un joli petit parc qui a amené beaucoup de riches et ça va me faire plaisir, ça. Alors, pour amener encore. Ah merde. Mettre un poste de police. Poste de police français, poste de police français. Allez, on est parti. Ça coûte plus cher les bagnoles des postes de police français, mais c'est pas grave parce qu'on aime bien. Alors, on est un petit peu patriote comme ça. Truc classe quand même, mais il est joli le poste de police français. Bon, c'est un petit peu caricature, mais voilà. Faut le dire quand même. En plus à un poste de police de la Révolution qu'autre chose. Donc là ils vont avoir du boulot. On va juste leur ajouter une bagnole.
Putain, ça arrivait d'un coup là, les criminels. Et là, on va remettre. Moi, je vais remettre un parc là. Mais. Un classique comme ça. On va les améliorer. Là, je veux vraiment une zone riche, mais riche de chez riche. Hein. Parfait. Parfait, parfait, j'aime ça, j'aime quand ça se développe comme ça, ça fait plaisir. En tout cas, là, on a mis du commerce. Les gens, vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes d'habitation, donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va zoner. J'ai envie de dire fuck le minerai. Et je vais dire fuck le minerai. Alors, par contre, comment on va se tracer ça? Parce que cette route elle est toute dégueu. On va se faire ça comme ça. Merde, je crois qu'elle est tordue celle-là. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fausse alerte. Là, on va se faire ça comme ça. Mais, le connard de château d'eau. On va pas zoner ici tout de suite. Ok, 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 là on va continuer un peu. Voilà. Voilà. On va pouvoir finir de zoner. Hop, parfait. Moi je dis là on est pas mal du tout. Et là on va bien sûr zoner aussi. Je mets pas beaucoup de commerce mais je fais exprès. Là les gens demandent des habitations pour le moment. Donc on fait des habitations. Voilà. Les bâtiments abandonnés pour criminalité trop élevée. Ils en iront au poste de police là. Rajouter des bagnoles. Allez, moi je suis un fou. Oh, désolé, mon portable a vibré. Je comprends pas pourquoi il vibre, pourtant il est vraiment en mode silencieux. Des fois il vibre, ça lui arrive, il a envie. Il a envie de Antoine et je. Un petit coup de vibreur dans la gueule, ça fait plaisir ou pas. Du coup là on va bien sûr faire le nécessaire pour que ces gens aillent à l'école. Voilà, ouais, ici quoi, et là c'est vers les commerces quoi. Mais pour le moment ça a l'air d'aller. Hein. Là j'ai pas l'impression qu'il y ait de criminels en liberté. Là. En tout cas dans la ville. Dans la ville j'ai pas l'impression. Bon, maintenant en tout cas on a la sécurité donc ça c'est pas trop un problème. On a ce qu'il faut pour répondre aux appels. Niveau pompier on est bon j'ai l'impression. Bon, par contre, niveau santé, c'est un peu la catastrophe. Ok, on n'a plus de sous. C'est bizarre, je sais pas trop ce qui se passe niveau santé. Pourquoi on a 6 morts par jour? À moins que ce soit les criminels qui butent des gens. Enfin, je sais pas. Améliorer notre hôtel de ville, ça doit faire un moment maintenant, je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. On va mettre ça. Et on va choisir un petit. On va mettre les services publics hein, quand on peut. Ça c'est automatique, hein. Dès qu'on commence une ville et qu'on a la possibilité d'améliorer notre hôtel de ville, on met toujours les services publics. C'est un conseil que je vous donne. Service public, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, voilà, cette ville a bien grandi durant cet épisode. Moi, je pense que je vais vous laisser là. Voilà. On m'a posé la question pourquoi je ne faisais pas des épisodes plus longs, parce que j'assure un planning, j'essaie de faire au mieux, de satisfaire tout le monde. Il y en a qui regardent du Paper Please, il y en a qui regardent du Mountain Blade. Si je veux avoir mon temps aussi à moi à côté, voilà, écoutez, je ne peux pas me permettre de faire plus longtemps. Je pense que 20 minutes, c'est bien. Voilà. Je ne veux pas non plus vous inonder de vidéos et faire en sorte que vous ayez des
des heures de vidéos à regarder. Je pense que c'est un peu inutile. Voilà, je préfère privilégier le bon contenu assez court même. Je trouve même pas ça court, 20 minutes, je trouve que c'est une très bonne durée. Après, sinon, pour certains, c'est trop long, et pour d'autres, voilà, c'est pas forcément la durée de vidéo. Une durée de vidéo de 20 minutes, voilà, tu peux regarder, ça se regarde assez facilement, assez vite, voilà, c'est assez facile à regarder. Bref, bon allez, j'arrête de vous embêter avec mon blabla. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook, bien entendu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage vraiment à liker et à commenter. Liker si vous avez aimé, bien sûr. Si vous n'avez pas aimé, ben vous pouvez mettre votre pouce rouge. Je m'en fous complètement. Faites ce que vous voulez. Et bah sur ce, je vous dis à dans 3 jours pour un nouvel épisode de SimCity. Sinon, à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir visionné ce deuxième épisode de SimCity. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye! Lol, mais c'est une guerre vraiment très compliquée parce que là en plus on peut remarquer qu'il y a des